Bonjour mes petits lucioles, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Je viens ouvrir ce nouveau vlog. On est lundi 4 octobre, ça diminue pour moi. Vous savez pas encore, ou ceux que vous savez, je vais avoir un an de plus dans des quelques jours maintenant, ça diminue. Le 12 octobre, c'est un. Voilà, mon anniversaire. Du coup, voilà. Et on a commencé la pâle de septembre qui commence déjà. Pas mal, je voulais vous en parler. Par contre, j'ai un truc, mais ça, je vous dirai après. J'ai lu sur ce week-end Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, le tome 2 de Kim Niwazani et Joan Wakku. Je ne sais pas vous dire les noms, ils sont là, mais c'est des noms assez spéciaux de chez Kabuk. Kaboop. Et j'adore les dessins, j'adore cette manga. Je suis le tome 1 qui est quelque part, je ne sais plus. J'ai adoré. Je vais pas vous parler trop du tome 2 parce que voilà. Et de toute façon, je vais pas trop vous en parler de trop de des histoires parce que je vous refais un vlog point à la lecture à la fin du mois pour vous dire ce que j'ai avancé ou ce que j'ai raté. Mes lectures, vous allez en voir. J'espère les réussir parce que là j'ai mis un peu plus de romans et j'ai un peu peur de. Comme j'ai réussi la semaine, le mois passé, de lire trois romans, deux BD, du coup je me dis je vais mettre trois romans, une BD. Si je réussis, je suis fière de moi. Du coup j'ai lu ça. Je ne sais plus combien de notes je lui ai mis. Vous voyez, je ne suis pas préparée. Je ne suis pas préparée du tout. Parce que voilà, je me suis dit, je vais vite vous parler parce qu'il est déjà 11h30. Je me dis, pouh, ça va trop vite. Je sais, ah, s'il est là, je l'ai. Ah non, mais ça, c'est mon encours. Parce que j'ai déjà en cours de lui. Je viens de le voir en plus. Là, j'ai mis un 10 sur 10. L'autre, je crois que j'avais mis un 9 sur 10. Faut pas vous. Imaginez. Ici, on va toujours suivre la secrétaire Kim et le patron qui va changer d'humeur, surtout tout de l'autre. L'autre, il était toujours en train de crier dessus et tout ça. Mais comme dans le premier tome, elle lui dit clairement que elle met sa démission pour partir ailleurs, que lui, il n'est pas d'accord parce que c'est la meilleure secrétaire du monde. C'est la seule personne qui le supporte, qui fait toutes ses envies aussi, c'est ça le problème. Et du coup, voilà, et là, il fait un caca nerveux. Et du coup, il va tout faire pour la tenir. Mais je pense qu'il va avoir une petite romance. La romance, elle commence tout doucement à s'installer. Mais je suis impatiente d'avoir le tome 3, mais il sort que le au mois de janvier, le 12-13 janvier, je pense. Du coup, je peux le regarder tout de suite quand il sort exactement. Il sort le 12 janvier, du coup, voilà, dans 3 mois. Du coup, je suis impatiente quand même et ça fait long, 3 mois. Voilà, j'ai adoré, 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 adoré. C'est la première fois que quand je prends un livre que j'achète, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, que j'ai déjà lu. Voilà, j'ai trop, trop, trop apprécié cette lecture. Je vous la conseille à le lire, le tome 1 et tome 2, ou alors si vous attendez les 3 mois, si vous voulez pas voir les tomes 3, parce que là je suis un peu déçue parce qu'il y a un truc qui se passe à la fin, et c'est vrai que j'aurais bien voulu avoir l'autre pour comprendre ce qui va se passer, mais tant pis, on fait avec, c'est comme ça, c'est la vie. Et du coup, j'ai commencé hier en faisant un Winning Prince, je sais pas comment ça se dit. Oh, comment il. Non, je peux pas. Je sais plus. En fait, j'ai lu avec plusieurs personnes 20 minutes et 30 minutes. Voilà. Voilà, je suis un peu plus. Et du coup, je lis la force de renaître de Brittany Detcheri chez Hugo dans la collection Nous Romans. Mais je le lis pas là. Je sais pas pourquoi, je m'habitue, il faudrait que j'essaye de me remettre dedans. Mais je lis avec ma Kindle. Hier, j'ai lu avec ma Kindle. Il est juste là, voilà. J'ai plus facile pour moi. Je sais pas pourquoi. Je suis à 50 pages exactement. Je crois que j'en plein milieu d'un chapitre. C'est ça que je vais faire. On va avancer les pages.
page. Voilà. Ouais, je suis en plein milieu d'un chapitre. Comme d'hab, ça change pas pour moi. J'arrive au chapitre 3 ou 4, je pense. Ouais, 4. Voilà, presque au chapitre 4. Pour le moment, je sais pas trop vous dire parce que voilà, je l'ai pas. J'ai pas lu beaucoup, quoi. Et du coup, voilà, je voudrais bien continuer là. Mais j'ai encore quelques trucs à faire. Après, je continue. Sur ce, ben voilà, pour les deux lectures. Du coup, ceci, c'est un drame psychologique. J'espère que. Voilà. Mais c'est vrai que tout le monde parle de cette plume. Je crois que je sais pas si j'en ai déjà bu un. Là, c'est Morgane Moncomble. J'ai un doute si j'ai déjà lu de Brittany Chichichiri. Je sais jamais le prononcer. Voilà, je sais. J'ai un doute si j'ai déjà lu. Et je sais pas. Non, là, c'est Colleen Hoover. Non, je pense pas que j'ai encore déjà lu. Non, parce que ça, c'est dans ma palle et ils sont pas encore lus. Du coup, non, je pense pas encore lu. Ah, mon chéri m'en parle. On verra, j'espère. Ouais, parce que son cadeau devait arriver. Il est toujours pas arrivé et ça m'embête. Parce que lui aussi, il a son anniversaire ici. Lui, c'est le 20 octobre. Moi, c'est le 12. C'est moi avant lui. Je suis plus vieille que lui, de toute façon. Voilà. Et je vais commander une souris de ordinateur qui devait être à la base il était marqué sur le site Amazon, oui je sais Amazon c'est pas le on peut tout le monde n'aime pas qu'on mais voilà j'ai commandé par là parce que j'avais pas le choix et j'ai commandé vendredi ou jeudi vendredi je pense et il marquait qu'il était livré dimanche moi en moi-même je me dis ça m'étonnerait que je l'aie dimanche et ici il est en cours d'enchaînement je sais pas quoi enchaînement du coup il espère l'avoir aujourd'hui parce qu'il a sa souris en fait il est obligé de faire plusieurs clics pour que la souris clique du coup voilà j'espère aussi mais voilà en cours d'enchaînement mais retardé voilà c'est tout ce qui est marqué j'espère voilà. Il ne sait pas encore laquelle souris. Il sait que c'est une souris, mais il ne sait pas laquelle. Je lui ai pris une Logitech. Comme ça. Enfin, j'ai posé la question à plusieurs personnes, de ses copains. Et le meilleur ami lui a dit que Logitech, c'est avec ça qu'il utilise d'habitude. Du coup, voilà. Parce qu'avant moi, il sait que c'était une souris qu'on avait achetée chez. À Action. Une dizaine d'euros. Qui ici je vais acheter une bonne souris. Elle a tenu quand même pas mal de temps. Mais l'autre fois c'était le casque, maintenant la souris. Et le clavier normalement non. Il y a un nouveau PC logiquement non. Il a remis des trucs dedans, ça va. Du coup on va être tranquille avec ça maintenant, avec ça. Voilà. Oh bye. Voilà. Et hier aussi j'ai joué à Animal Crossing. Ça m'a changé un petit peu les idées hier soir. Et hier on a fait journée série, voilà, on a regardé, je sais pas le nom de la série, parce que c'est lui qui m'a fait regarder, du coup je ne sais plus, c'était sur Netflix, j'essaie de regarder en même temps, je vais essayer de vous le mettre l'image ici, c'est un peu spécial, ça se passe, en fait c'est toutes des personnes qui ont besoin d'argent, ou ils ont fait des mauvais placements, ou ils ont besoin de plein d'argent dans plein de magasins. Enfin, ceux qui jouent aux chevaux et tout ça, là, qui ont besoin de. Qui dépensent tout leur argent là-dedans. Ceux qui vendent la drogue et tout ça. Ou des voleurs. Enfin, vous voyez le truc, les gens ont manque d'argent. Et du coup, ils vont rencontrer un monsieur qui va proposer de jouer un jeu. Et en échange, s'ils perdent, ils ont une claque. Et s'ils gagnent, ils ont je ne sais plus combien exactement. Parce que c'est un peu chinois. C'est chinois, je crois. Ouais, c'est chinois. C'est pas méchant, mais c'est un truc, un film chinois. Voilà ce que je voulais dire. J'arrivais plus à trouver mes mots. Et du coup, il leur propose, il donne une petite carte avec un numéro et il leur propose de leur rejoindre. Et autant de participants, ça, il y en a pas mal. Hein. Et pour gagner une somme, une grosse somme. Mais le problème, c'est que à la longue de jouer, les perdants se font tuer.
Et ça, c'était pas prévu au programme, en fait. Voilà. Du coup, je vous mettrai l'affiche ici quand je montrerai la vidéo. Et comme ça, vous allez, n'hésitez pas à aller le voir. Il y a, pour le moment, c'est la première saison à Suigam. Je ne sais pas le nom. Il n'y a qu'une saison et on est au numéro 6 et il y en a 9. Du coup, il nous en reste 3 à regarder. Voilà. On se les fera ça, je pense. Excusez-moi. Et moi, je regarde Chicago Fire pour le moment. Je pense qu'aussi, j'arrive à la fin. Je suis au 4. Ah ouais, je vais passer au 5 en fait. Ah non, en fait, j'ai fini. Ah non. Oh là là. Ouais, en fait, je suis au... J'ai commencé le 20, il m'en reste... 23 qui me restent. Et après, il faudra attendre la suite. Du coup, voilà. Mais j'ai d'autres trucs qui m'intéressent pour le moment. Du coup, ça va. Sur ça, je vais regarder en même temps pour vous parler des livres que je voudrais bien. Je vous essayerai de vous les mettre aussi. De vous les mettre en photo. Les sorties que je voudrais bien. On est le 4 octobre. Ah oh, mais il y a déjà les premiers au Catenapa. Je vais vous mettre les premiers déjà. Le refuge du lac du Saul de chez Cal, qui sort le premier. C'est beaucoup de trucs de Noël aussi que j'ai mis. Voilà. De chez HarperCollins. Il y a les vœux de Noël qui sort aussi le premier de chez HarperCollins. Top de pâtisserie de Noël 101 en Caire. Ça, je ne sais pas si c'est la maison d'édition. Il faudrait que je regarde. Qui sort aussi le premier. Les paillettes pour Noël qui sort le 1er octobre aussi. Là, je n'ai pas la maison d'édition. Je n'ai pas trouvé. Je ne vous dis pas les noms de qui les a écrits. Mais le premier, il y en a beaucoup. Il y a Ella, c'est Ella je crois, et les quatre royaumes de Fleurus, qui sort le 1er octobre, de Marilyn Broly, je ne sais pas comment ça se dit, c'est le Tibus, Tiboudou, je ne sais jamais le prononcer. Il y a Tatoumoi, ça c'est pas un... qui sort aussi le premier, et après c'est à partir du 6, voilà, j'en ai pas d'autre. Ah non, Tatoumoi il sort le... Non, il sort le 1, c'est vrai. Avec le 0, avec le O de octobre, je croyais que c'était le 10. Tatoumoi qui sort aussi le 1er octobre, voilà. Voilà. Et alors il faut que je regarde, parce qu'il y a la gameuse et son chat, mais il faut que je regarde où j'en suis. Et le tome 1 là, ça je l'ai lu, mais il faut que je regarde où j'en suis là, parce que là, dans les mangas, il y en a des nouveaux, et voilà. Et alors, il faut que je continue aussi, qu'il faut que je continue la série. Il y avait aussi étudiants, voilà, qu'il faut que je continue. Il y a aussi Lucifer qu'il faut que je continue la série. J'ai encore pas mal de séries à regarder, quoi. Voilà. Et sur ce, voilà. Je suis occupée à mettre la vidéo de mercredi. Ce sera la pioche pâle d'automne. Je piocherai dedans pour les mois d'octobre. Ou la semaine d'octobre. Enfin, d'automne, quoi. Vous comprenez les... Je pioche dedans pour les autres prochains mois, parce que ce sera jusqu'au mois de novembre, je crois que je l'ai mis. Novembre, fin décembre. Fin décembre, j'aimerais bien quand même regarder, lire les livres de Noël. Je m'en mettrai un ou deux,
pour les bouquiner quand même, parce qu'il faudrait que j'avance. J'en ai un que je veux mettre absolument, mais les autres côtés, un petit, qu'il faut même pas 100 pages. Il y en a un autre ici que je veux mettre, il est un peu plus long. Hop, un Noël saupoudré d'espoir de chez c'est chez Belgique Loisirs que je l'ai eu, excusez-moi, et c'est, je sais pas, N, je sais pas ça veut dire quoi le N. C'est un tout petit, il fait je sais pas combien, ouais, même pas 300 pages. Du coup, j'aimerais bien, enfin, si, il fait 300 pages avec les remerciements, il fait 300 pages. Voilà, de Nathalie Brunel. Du coup, j'aimerais bien me le faire aussi. Il est beau en plus. Voilà. Ouais, mais c'est écrit assez petit quand même. Mais j'aimerais même le faire. Voilà. Et après, il y a celui-là que je voudrais bien me faire. Ça, il est un peu plus grand. Ça fait déjà un moment que je lis. C'est celui-ci. Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire? Voilà. Il est quand même plus gros. Je sais pas combien il fait. 470 et des pages. 75. 475. Ouais, c'est ça. 475. Voilà. J'aimerais bien me le faire. Parce qu'ici, avec le soleil, il est shiny, shiny. Hein. Celui-là, il est vraiment absolument magnifique. Ça fait un moment que je l'ai. Et du coup, j'aimerais bien me le bouquiner. Voilà. Je pense que je vais faire ça à Noël. Enfin, du coup, janvier, je pense. Décembre, janvier, lire des trucs de Noël. Voilà. Il y a celui-là aussi que j'ai pas encore lu. Je te ferai aimer Noël chez les Hachette de Carole M. Love. Non, non, non. Voilà. Qui est aussi un pas mal. Mais c'est juste que c'est écrit tout petit. Voilà. Du coup, voilà. J'en ai pas mal de. Ouais. Et alors, il y a un autre que je voudrais, qu'il faudrait que je mette absolument dans ma palle, c'est celui-ci. Voilà. Love for Lev. Mais ce que je n'aime pas, c'est parce que c'est écrit tout petit. Et il est quand même épais. Il fait plus de 700 pages. Ouais, il fait 730 pages. 730 pages. Du coup, voilà. Il faudra que je me le fasse aussi au plus vite parce que je laisse là et ça fait longtemps qu'il est dans ma palle. Et voilà. J'aimerais le lire. Puis il y a d'autres livres que je veux lire absolument, mais que voilà. Voilà, il y a celui-ci aussi que j'ai vu que certains lisaient, que j'ai eu dans la box, mais celui-là aussi il fait presque 700 pages. Du coup, voilà. Tous ceux qui me font peur, quoi, voilà. Il y a celui-là que j'ai vu passer il n'y a pas très longtemps. Du coup, il m'a donné très envie de me le faire. Je pense me le faire. L'amour et une fuite pour me sauver. Voilà. Je ne sais pas de quoi. Je ne sais plus de quoi ça parle surtout. Voilà. Du coup, voilà. Mais j'aimerais bien me les faire, quoi. Voilà. Il y a ceux-là, une partie de ceux-là que j'ai pas lu. Là non plus. Mais là, c'est des autres que je vais. Ceux-là, c'est plutôt quand je. Quand j'ai un souci, je regarde dedans. Voilà. Ça, c'est les Disney qu'il faut que je lise aussi. Là, il y a Willy l'ourson. Là, il y a Maléfique. Là, il y a les deux. C'est le 1 et le 2, je pense. Ouais, c'est ça. De. Oh! Dis-moi là. Je sais plus quoi. La Reine des Neiges, voilà. Là, je sais plus c'est quoi. Ah, Peter et Elliot le dragon. Cendrillon et Dumbo. Voilà, j'en ai d'autres qui me donnent très envie de lire, mais voilà, il faudrait que je les lise. Du coup, sur ce, ça fait 20 minutes que je vous parle. C'est énorme. N'hésitez pas aussi, je vous ai mis des livres à vente sur Vinted. N'hésitez pas à les retrouver. Mais j'en ai déjà vendu deux, les deux nouveaux. Celui que j'ai lu la semaine passée. Celui-là. Hop. Qui était sur Vinted, mais il vient de partir. Voilà. Je l'avais en deux fois et voilà, il y en a un qui est parti. Il y avait l'autre aussi qui est parti. Du coup, je n'ai plus le remettre. Mais n'hésitez pas à aller voir, c'est dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller le retrouver. Sur ce, moi, je vais vous laisser et je vous dis à demain ou à tantôt. Je pense que ce sera plus à demain. J'ai déjà discuté 20 minutes. Elle va être longue cette vidéo, ce vlog. Je vous dis.
Bye bye. Et on se retrouve quand je vous reprendrai. Voilà, on va dire ça comme ça. Bye bye. Bonjour mes tutisseurs, j'espère que vous allez bien. Moi, très bien. Un peu fatiguée. Beaucoup de ménage. Je reviens dans ce vlog avant. On est mardi 5 octobre. Voilà, 5 octobre. Je voulais vous revenir un petit peu. C'est vrai que je vous reprends tard. Il est 2h40. C'est parce que j'ai fait beaucoup de trucs aujourd'hui. J'avais 2 colis à déposer au Mondial Relais. C'est fait et je suis tranquille. J'ai commencé à faire les litières de mes bébés. C'est fait aussi, je suis tranquille. J'ai fait ma petite vaisselle, sorti mes viandes. Voilà, tout ça. J'ai commencé... Ça sent bon à la maison. Parce que j'ai commencé à faire ma compote maison. Voilà. Du coup, j'ai fait ça. J'ai déjà épluché mes patates pour ce soir. Comme ça, j'ai plus qu'à cuire et être tranquille. Je n'arrête pas depuis le matin. Je suis lessivée. J'ai changé mon lit. Il faut le refaire. Il n'est pas encore fait. J'ai pas le courage. Voilà. Et du coup, je voulais vous en revenir. Je suis toujours dans la force de René de Brittany de Thierry chez Hugo dans la collection Nouveau Roman. Je suis à la page 90. J'ai bien avancé hier. Je suis trop contente de lire ce bouquin. J'avais dû... Regardez. Je le lis sur ma Kindle le soir. Du coup, voilà. Parce que le bouquin, il est quand même épais et gros. C'est la première fois que je lis autant sur ma Kindle. Je n'ai pas encore vraiment mis vraiment à lire. Du coup, voilà, je suis contente de lire sur ma Kindle. Je ne sais plus à combien j'étais hier. Il faudrait que je regarde à la rush d'hier. Mais j'ai bien avancé. Ici, on va suivre, je ne sais plus les noms par contre, ne me demandez pas. Le mec qui a une ferme, c'est ça si je comprends bien dans l'histoire. Ouais, c'est ça, une ferme de son grand-père, Lan, je crois que c'est comme ça son nom. Et il y a une demoiselle qui va un peu squatter chez lui, dans une... remise un petit chalet comme ça du coup elle se cache de lui, elle se lave au boyau du coup il fait très froid, elle se gèle et il va lui tomber dessus et il va rien dire et du coup c'est trop bien, j'aime bien. Je vais pas vous en parler de trop parce que voilà, je suis qu'à 90 pages. Je voudrais bien continuer. Mais là, j'avais envie de me plonger. Il est 2h40. Ouais. Là, j'ai envie de me plonger un moment dedans. Voilà, du coup, je vais faire ça. Voilà. Et en même temps, aujourd'hui, je n'ai pas... Enfin, mon chéri n'a pas de voiture. Pas de nouvelles. Ça a l'air bon. T'as mis des poires. Non. Ouais, parce que je fais ma compote, du coup j'envoie une photo à un monsieur. Voilà, voilà. Mais il me demande si j'ai mis des poires. Est-ce que vous mettez des poires dans votre compote? Moi j'ai jamais mis. Enfin, c'est la première fois que je fais compote maison en fait. Qu'est-ce que tu me fais, Oudidi? J'ai mon chat qui est dans mon lit. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais refaire le lit. Tu attendras? Ça lui plaît pas, il est pas fait. Je vais le refaire, ouais. Et du coup, j'aime bien. Et je vous disais que c'était la première fois que je lisais sur la Kindle. J'aime bien, c'est facile à lire quand même que le pavé. Je sais pas pourquoi, je n'arrive pas à me mettre dans ce livre. Je préfère la Kindle, je sais pas pourquoi, mais voilà. Et sur ça, voilà. Et je pense que si j'arrive à lire ce bouquin sur la Kindle, je vais me procurer le... Enfin... Parce que là, je crois que c'est un tome. Mais, ça. Je vais me procurer les tomes de ceci. L'une bon, on mange les mots. On sait plus. L'une pourrait-je. L'intégrale de Laetitia
Landan. Voilà, il y a on dit, s'il te plaît, l'antienne. Il y a les trois tomes dedans. Embrassard, Assiver et Asservervie. Voilà, et c'est un gros pavé, comme vous pouvez. Il fait plus de 1000 pages, mais il me tente vraiment de lire. J'ai envie de le lire. Il est vraiment fluffy en plus. Il est. Vous voyez? Et du coup, je me dis que pourquoi pas me le prendre en Kindle. Parce que le bouquin est tellement lourd que voilà, je me fais des bras là. Hein. Je peux le prendre pour faire des muscles. Et j'ai pas trop envie de me l'abîmer. Il vient de Belgique Loisir. France Loisir aussi, il y est. Je le sais parce que plusieurs l'ont déjà pris. Il vaut 20 € pour 3 bouquins dedans. N'hésitez pas à vous le procurer si il vous tente. Je ne sais pas de quoi ça parle. Si vous voulez, je vous lis la petite phrase en noir. Un jour, on m'a dit que je pourrais échapper qui grandissait en moi. Je pourrais plus être caché ou pour bien tout l'espoir observé. Je me devrais être unité. Unité, je sais pas quoi. Voilà. Il est trop beau, vous voyez, c'est... Même le petit oiseau, là... Je sais pas c'est quoi, une tour. Ouais, il est trop beau. Bah, c'est la tour de là qu'on voit les loups. Il me tente beaucoup, beaucoup ce livre, mais il me fait peur de le commencer. Voilà. Du coup, je me dis peut-être acheter le premier tome, lire le premier tome pendant un mois. Peut-être mois de décembre ou début janvier, je sais pas, je vais voir. Me prendre en Kindle et avancer dans les pages comme je fais avec Force de renaître. La force de renaître, voilà. J'aime bien l'histoire. Il y a une histoire qui se passe entre eux deux. Ils ont une histoire un peu au commun. Je vais voir ça après. Voilà, j'ai rien particulier à vous dire. Je pensais même pas vous prendre aujourd'hui. Et puis voilà, je vous ai pris. En plus, hier soir, de 5 h à minuit, on s'est retrouvés sans internet. Enfin, sans internet. Sans Instagram, Discord, si, mais Instagram, Facebook et je ne sais plus quoi. Du coup, voilà, j'ai été triste. Du coup, j'ai lu et j'ai bien avancé. Bon, enfin, on a regardé notre série aussi, de ce que minuit. Je vous la mettrai. De toute façon, j'aurais déjà parlé. C'est. Je ne sais jamais le nom. Je ne sais plus. C'est un truc avec des jeux. Les personnes qui manquent des sous et qui vont faire un jeu. J'aime bien mes trop aimés. C'est compliqué à dire. Je suis pas fan de ce truc là, mais j'aime bien. Comment dire? C'est compliqué. C'est oui et non quoi. Il y a des pour et des contre. Voilà. Mais c'est comme ça. Bon, sur ce, moi je n'ai plus rien à dire. J'étais en train de regarder sur Belgique Loisirs parce qu'il y a des prix intéressants pour le moment. Du coup, j'étais en train de regarder des livres à moitié prix. Là, 25 €, à la place de 25 €, il est à 14,99. Du coup, je regardais un petit peu ce qui se passait là. Du coup, voilà. Le grand livre de secrets du citron, santé, beauté, maison. Il vaut 12,90 € à la place de 17 €. C'est vrai que celui-là, il me tentait absolument. Le grand livre. Le grand livre des secrets de citron. Pour afficher les jours et les dents. Ouais. C'est pour savoir nettoyer au citron, quoi. Voilà. Sur ça, je vais vous laisser. J'ai pas grand chose à vous dire. Je suis claquée. Je vais refaire mon lit et bouquiner un petit peu sur le lit. Bon, sur ça, moi, je vous laisse et je vais aller bouquiner ça. Bisous, bisous. On se retrouve tantôt demain. Bonjour mes télésols, je reviens dans ce vlog. On est jeudi 7 octobre. Du coup, je revenais dans ce vlog. Je vous ai pris hier, mercredi 6 octobre, mais je vous mettrai pas ce que j'ai filmé. Voilà, je trouve plus les mots. Parce que hier, j'étais vraiment, vraiment, vraiment pas bien. On le voit à ma tête. J'ai une tête blanche, vraiment pas bien.
Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux, mais comme vous entendez, je tousse toujours un peu. Hier, j'étais vraiment pas bien, mais je pense que c'est mes ragnagna qui arrivent. Excusez-moi, mais j'ai le soleil qui me flash. Voilà, c'est mieux. Du coup, je n'étais pas trop dans mon assiette. J'ai presque dormi toute l'après-midi. J'ai fait un petit peu de diamond painting hier au matin, jusque midi et demi, de 11h à midi et demi, mais avec... toujours envie de m'endormir, sauf que hier j'ai eu un colis et du coup je voulais vous montrer ça. Mais avant de vous montrer, aujourd'hui j'ai reçu un, du coup je voulais vous le montrer. Je l'ai déjà ouvert, de toute façon je savais c'était quoi, comme c'est moi qui l'a commandé. Du coup voilà, du coup je me suis pris la romance presque parfaite d'une accro à Noël, parce que de Laura Wedwed, c'est celle que j'ai déjà lue. Et puis soudain, et puis je ne sais plus quoi, et puis je t'aime, et j'avais bien aimé. Oh, j'adore les chapitres, regardez les chapitres, c'est trop mignon. Du coup je me suis dit que j'allais me le prendre, et il est tout petit, je pensais plus gros que ça. Il fait 290 pages. Oui, il va aller vite. Du coup, je vais vous lire la quatrième de couverture. Du coup, j'ai fermé mes stores. J'ai presque plus de lumière. Mais j'ai le soleil qui me tape dans les yeux. Alors, Zoé est passionnée de Noël. À tel point qu'elle a décidé d'en faire son métier. En créant son entreprise d'événements. Sa mission, imaginer des décors féeriques pour ses clients. Mais accaparée par son travail, Zoé néglige les moments en famille. Elle décide donc de prendre des bonnes résolutions cette année. Elle va s'accorder des vacances et retourner dans sa ville natale pour passer du temps avec les siens. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est de embarquer Ethan dans ses bagages pour ce journaliste de Noël n'est qu'une fête plus à laquelle il accroche bien trop importance. Alors comme le magazine qui emploie lui demande de réaliser un article sur Zoé, il se retrouve bien malgré lui embarqué dans les tourbillons de décoration, de sapin et de pâtisserie en compagnie de la jeune femme et de sa famille aussi mordue que elle. Entre l'accro de Noël et de tactique de fête, va-t-il de la place pour un roman presque parfait? Un roman romantique, une comédie romantique. Voilà, il est tout petit et il me tente beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai ma montre qui sonne parce que j'ai pas de soucis. Voilà, parce que j'ai mon amie, en fait, elle est en train de préparer nos anniversaires, nos cadeaux. Et du coup, elle me demande ce que mon chéri voudrait. J'ai une mèche là, qui n'est pas prise dans mon... Voilà, c'est pas grave. Pour son anniversaire, et, c'est pas une question. Voilà. Après, je me suis pris, ça c'est d'hier, le tome 2 de celui-ci. Le nom, je ne veux pas vous le dire, j'arrive pas à le prononcer. Je vous avais parlé au mois de septembre. J'avais lu le premier tome que j'avais bien aimé. C'est une personne qui... je ne sais plus son... comment ça s'appelle. Qui parle avec les signes. Voilà. Et du coup, lui, tout doux, tout gentil, va apprendre les signes. Je vous montre quelques images un peu comme ceci. Voilà. Je ne vais pas tout vous montrer. C'est un tome 2. Du coup, voilà. Après, ça, c'est le tome 4. C'est le tome 3. Du coup, je me suis pris le tome 3. J'ai pas encore lu les autres, mais c'est pas grave. La course contre la montre de Disney Cheryl. Voilà.
C'est un peu horreur, si j'ai bien compris. Ça, c'est dans la même série, je retrouve des titres. Ça se prenant. Je vais vous montrer un petit peu. Il n'y a pas de dessin, c'est juste du texte. Ça parle de je ne sais pas quoi. Je n'ai pas vu le résumé, mais je peux pour vous le lire. Enfin, c'est un tome 3. Est-ce que je vous lis ou pas? Je ne sais pas s'ils font indépendamment ou pas. Là, je n'en sais rien du tout. Dans 2 semaines, héros. Enfin, voilà. Je ne vais pas vous parler de la quatrième de couverture. Si vous avez envie, il y a déjà. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de vous mettre ceux-là. 1, 2, 3. Alors, c'est. Je ne sais plus, moi. Il marque 4, 5. Je ne sais plus. Il faudrait que je regarde. Bon, du coup, il y a celui-ci. Et j'ai celui-ci aussi que je me suis pris. Voilà. Qui est une tenue d'enfer. Une tenue d'enfer. C'est le même. Et c'est de Vera Traja. Oups, ça là. C'est aussi. Oh, celui-là, il a t'abîmé. J'ai même pas vu. Un petit coup. Et c'est toujours le même, c'est des textes. Il n'y a pas grand chose dedans. Pas d'image, je veux dire. Voilà. Vous voyez, vous retrouvez ceci avant. Dans la même collection. Maintenant, je ne sais pas s'il faut les lire indépendamment ou s'il faut les lire ensemble. Voilà. Du coup, voilà pour ça. Logiquement, là, j'ai rien à vous dire d'autre. Mais j'ai pas mon carnet. Il est où mon carnet rouge? Il est où mon carnet? Là. Il y a des sorties aussi que je vous ai pas dit. Parce que hier, comme je vous ai dit, j'étais pas trop bien. Et le petit extrait que je vous ai mis, je pense que je vais pas vous le mettre. Du coup, on est le 7. Je vous ai pas fait le 6. Du coup, il y a Peter Pan Ultra Prime. Je vous mettrai les images. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais c'est Peter Pan. J'adore Clochette. Je me dis pourquoi pas. Voilà. Après, il y avait La Gameuse et son chat, le tome 5. Il faut que je prenne le tome 4. Je crois que j'ai pas encore lu le tome 3 ou 4. Ou je l'ai déjà, je ne sais plus. Il faut que je regarde. Voilà, mais il faut que je le me prends. Et aujourd'hui, il sort Nos rêves de Parabelle. Parabelle, je crois que c'est comme ça que ça se dit. De chez Hugo de El Silvano. C'est celle qui a écrit les 6 ans. Je vous montrerai la photo de toute façon. Je peux encore continuer. Ah non, après c'est le 13. Ah non, il y a Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi. De chez Hugo aussi, il sort le 7. Voilà. Je ne sais pas de quoi ça parle, je vous montrerai les images. Il faudra quand même que je commence à monter ce vlog qui va être long. Voilà. Après, c'est le. Après, c'est 13 et 14. Ouais. Voilà. J'en ai pas grand chose. Ouais. Il faut que je fasse aussi un truc après là. Voilà. Et je vais vous parler aussi de ma lecture qui est en cours. Je n'ai pas beaucoup lu, mais je me suis bien avancée quand même. En lisant avec la liseuse, c'est pratique et elle est là. Je suis à la page 100. 100. Ouais, 100. 46, j'avance pas des masses, mais voilà. J'aimerais bien avancer plus que ça. Parce que là. Ouais, voilà. Du coup, voilà. J'aime bien. Il faut pas aller si vous aimez pas. Comment on peut, je peux dire sans trop spoiler, parce que je veux pas non plus vous spoiler. Parce que c'est dans l'histoire, du coup. Il y a beaucoup de trucs qu'on parle. De leçons morales. Les bagarres de famille, mais pas bagarres comme vous pensez, les disputes, comment je peux dire ça, je ne sais pas comment vous en dire sans trop spoiler, mais voilà. Parce que j'aimerais bien avancer parce qu'on est déjà le 7 et j'ai encore 2 livres à lire pour ce mois-ci, mais j'ai un peu du, je pense que je vais avoir du mal à finir ce mois-ci comme j'ai 2 jours déjà, le 12 et le 20, enfin le 20 je pourrais lire. Il n'y a qu'au soir. Mais le 12, toute la journée, je ne suis pas là. Comme c'est mon anniversaire. Mais je vais voir mon psy le 12. Pour me mettre un petit peu les idées en place avant mon anniversaire. Ça va me faire du bien. Voilà. Parce que j'ai eu des petits soucis dans la famille. Et j'ai attrapé la diarrhée. Mes nerfs jouent.
Voilà, du coup, ils sont fatigants. Jolis, ils sont fatigants. Puis, je voulais vous montrer aussi ce que je me suis pris pour essayer de faire. Parce que pour le moment, je vous ai dit, je faisais ça là-dedans. Voilà, je mettais comme ça. Je fais sur les lignes et c'est pas correctement bien fait. Mais voilà, je fais à ma façon. J'avais fait un petit peu ma page de garde. J'aimais bien. Voilà. Mais j'avais envie de changer. Je vais continuer à danser là pour le moment. Mais je me suis trouvé un truc qui me plaisait bien. Je me suis pris. Elle est trop belle. Elle est dorée. Un peu rose. Rose. C'est pas rose gold, mais un doré rose. Voilà. Du coup, vous voyez, vous avez les feuilles. Enfin, j'ai pris à part les feuilles. Hein. C'était juste la pochette et j'ai pris les feuilles à part. Vous avez des petites, voilà, pour mettre là. Voilà. Là, vous avez une place. Je ne vous montre pas. Vous avez une place pour faire un bec. Vous avez des anneaux. Comme ça, vous pouvez retirer les feuilles. Et je trouve que c'est plus facile pour commencer à faire nos lignes et tout ça. Et les feuilles, je les ai comme ceci. Je vais vous montrer. Ils sont indépendamment. Je ne sais pas combien il y en a dedans. Mais voilà, du coup, je me suis pris 4 paquets comme ça. J'en ai 2 là et 2 là. Voilà, comme ça, je pourrais prendre les feuilles et changer. Faire une petite ficelle pour l'année prochaine. Enfin, je ne sais pas quand je le ferai, mais voilà. Je vais essayer peut-être de faire l'année prochaine ou début janvier, je ne sais pas. Parce que j'aimais bien mon carnet, du coup, c'est un peu ennuyé de changer. Mais voilà, oui, je trouve ça trop joli. Et c'est vraiment bien pratique. Voilà, puis j'avais autre chose, ça c'est des feuilles, mais qui va pas, j'ai gardé pour prendre, mais il faudrait plusieurs trous, carrés, je sais pas si vous voyez, c'est des carrés, ah, ça se voit pas avec le reflet, c'est un petit peu, mais ça va pas, il y a que 2 trous, et il en faut plusieurs, j'avais autre chose à vous parler, oui, je sais, je ne sais pas où je les ai mis, hop, voilà, sur le... Oh, je ne sais plus, je n'ai plus le nom de la boutique, mais enfin soit, je me suis pris des marque-pages mais je ne sais pas, il y en a un ou deux, je vais peut-être donner à mon ami, du coup voilà. Du coup, je voulais montrer celui-ci, c'est Mickey Fantasia, il est trop beau, j'aime bien. Un des deux que vous allez voir maintenant, là c'est Mulan, ou les deux, je ne sais pas encore. Je ne sais plus son nom à elle. C'est... Oh, je ne sais plus son nom. Ça ne me revient pas. Je ne sais pas c'est qui. Crochet. Alice. Je ne vois pas... la petite sirène. Pocahontas que j'adore. J'adore Pocahontas. Clochette que j'adore. Et celui-là, je ne sais pas c'est qui. Maléfique. Voilà. Celui-là, ils étaient ensemble, je pense. C'était la couleur verte. Voilà. Du coup, les voilà, les marque-pages que je me suis pris. Par contre, celui-ci, il est plus petit que les autres. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si vous allez voir. Regardez. Il tient pas dans mon doigt. Il est vraiment plus petit. Voilà. Un peu. Sur Vinted que je les ai pris. C'est vrai, je suis bête en plus. J'ai eu des soucis avec, en fait. La première fois, la personne m'a envoyé, mais ce n'était pas les bons. Du coup, il fallait que je trouve un moyen pour les renvoyer. Je les ai renvoyés, mais elles sont revenues à la maison. Du coup, j'ai dû aller à la poste. J'ai dû mettre un timbre spécial. Elle a reçu mon truc et il a fallu presque 2 semaines que pour moi, je les reçois. Du coup, voilà. Je me demande bien si elle n'a pas eu un petit quand même... qu'elle n'a pas su les envoyer et qu'elles sont revenues comme moi j'ai eu et du coup bon bien si c'est pas ça, bon, enfin soit je les ai, je suis contente, voilà, je vous ai tout montré, je vous ai tout dit, je vous en parlerai plus tard de ma lecture hein, parce que voilà, là c'est vrai que je suis passée les 100, mais c'est vrai que j'ai vraiment pas envie de vous spoiler, c'est vraiment un livre que je vous conseille. Mais non, c'est vrai que il y a... C'est con qu'il n'y a pas de... Retrouver... Non, c'est pas ça. Comment je peux dire? J'ai l'impression qu'il y a un truc qui vibre chez moi. Je ne sais pas.
Je sais pas comment vous en parler. J'ai déjà vu. C'est Magré. C'est Magré. Moi, je sais plus. La même autrice que j'avais lue. C'est Magré. Magré. Je ne sais plus. Du coup, enfin, soit, voilà. Je vous en parlerai plus quand j'aurai lu. Mais là, j'ai envie de lire. J'ai envie d'essayer de lire à fond. J'ai un chat près de moi. C'est lequel? C'est mon chat qui est en train de se cacher dans la couette. T'as froid, mon cœur? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, je vous ai tout pas tout dit, tout. Moi, bon, je n'ai rien d'autre à vous dire. Voilà. Bon, du coup, vous n'aurez pas le jour de mer. Enfin, mercredi, vous n'aurez pas de partie. Je vais la couper. Là, je suis encore un peu faible, mais beaucoup mieux. J'avais un mal de crâne, ça me donnait mal dans les yeux. Je tenais à peine les yeux ouverts hier. Du coup, je me dis que j'allais pas vous mettre cette partie. Ça ne sert à rien. J'ai pas envie de même si voilà, on se dit tout, mais voilà, j'avais pas envie de vous montrer l'état fébrile que j'étais. Là, ça a l'air d'aller un peu mieux, mais je commence à avoir mal à la tête. Du coup, je vais aller prendre un cachet. Il est 1h30 et j'ai toujours pas mangé. J'ai même pas déjeuné. J'ai juste bu un cacao au matin à 7h. J'ai lu au matin avant de. Donc, monsieur est parti et j'ai lu jusqu'à 8h. Et voilà. Après, je me suis rendormie jusqu'à 9h. Ça, faut pas lui dire. Voilà. Du coup là, je vais vous laisser. Et en pensant à ça, j'ai envie de lire plein de trucs. Il y a plein de trucs qui m'intéressent, je vous jure. Mais c'est fou comme. Voilà. Mais on va continuer à lire d'abord mon bouquin là. Et sur ce, je vais vous laisser et je vous retrouve plus tard. Bye bye tout le monde. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est pas le top top. Ça peut se voir sur la figure. Désolée, je fais du bruit, mais j'ai ma machin. Bon, on va laisser comme ça. Voilà. Je suis pas trop bien. Et puis, j'ai pas de très bonnes nouvelles. Du coup, voilà. Mais j'ai pas envie d'en parler ici. Voilà. Enfin, soit si vous voulez ça. J'ai juste le papa de mon copain qui est à l'hôpital. J'en dirai pas plus. Et on croise les doigts pour lui. Voilà. Bon, normalement, c'est rien de grave, mais voilà. Du coup, voilà, je vous prendre dans ce vlog. On est vendredi 8 octobre et je viens juste à l'accent, un petit peu plus qu'à l'accent maintenant. J'avais commencé à faire cette partie-ci, mais j'ai ma belle-mère qui m'a sonné. Du coup, j'ai effacé cette partie et je la recommence. Voilà. Je suis rentrée, j'ai eu mes trois colis aujourd'hui. Deux colis que vous verrez pas parce que c'est pour l'anniversaire de mon cieux. Et moi, j'ai pris Mi Soldal Fuck Prince de chez Lumen. Et c'est Cassandra NCQ So. J'en sais pas. Excusez-moi. Beaucoup. Je sais juste qu'on va parler de royauté. Que se passera-t-il si le fils du prince les États-Unis et le prince de l'Angleterre devient beaucoup plus que des amis? Voilà. Et aujourd'hui, j'ai été en vitesse avec ma mamie, je veux dire. Ma tantine, elle devait aller à Ville 2, où il y a tous les magasins, le centre de. Où il y a tous les magasins, enfin, soit. Et je lui ai demandé si je pouvais aller avec elle, comme après avoir travaillé, nettoyé chez elle. Et du coup, j'ai été et j'ai fait un tour à la Fnac et chez Belgique Loisirs parce qu'il y avait des promos chez Belgique Loisirs. Du coup, j'ai été voir, je vais tout sortir. Ça, on les réutilisera. Ils vont bien, ces sacs-là en plus. Du coup, chez Belgique Loisirs, je me suis pris deux jeunesses. Excusez-moi, mais je suis pas trop bien. Deux jeunesses, qui est Léana de Vinci, vue par une ado de Céline Lix. C'est chez Pulp Fiction.
Mais moi, je les ai dans la collection chez Belgique Loisirs. Du coup, voilà. C'est des petits jeunesses où vous avez des petits dessins, des petites BD. Enfin, vous avez vu. Oh, c'est mon ticket qui est dedans. Ouais, parce que comme j'ai été à la FNAC, j'avais pris avant. Voilà, vous voyez les petits dessins. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais j'aime bien cette collection. Du coup, j'essaie de me les procurer petit par petit. Et voilà. Du coup, ici, c'est. Salut, moi, c'est Mélissa. J'ai 12 ans et je suis fan de Léonard de Vinci. Bizarre. Pas pour tout le. Pas du tout. Parce que Léo, c'est une star. Tu penses que c'est une vraie Barbie qui se dessine au Joconde? Tout va vite. Faux. Je décide de te raconter mon histoire en répondant des questions importantes. Léo est-il à l'école sourde? A-t-il entendu l'avion distance? A-t-il toujours porté la barbe? Ici, tu auras toute de sa vie folle et 100% bio. Voilà, il était à 14, presque 15 euros et je l'ai eu pour 9,90, je crois que c'est. Voilà, du coup, j'étais. De toute façon, je sais même vous le dire s'il fallait. Hop, mon ticket. Il est à 9,50, voilà. 9,50, c'est pas 90, c'est 9,50. Du coup, voilà. Mais j'ai un doute sur le prix, par contre, Manon. Enfin, soit c'est 10,90 pour les deux que je vais vous montrer là. Et je me suis pris le même, c'est la même collection. Oui, c'est le même. Cléopâtre vue par un ado. Céline, Alice et Chadal Louzeskati. Voilà. Je les aime bien. C'est le même. Il y a des dessins aussi dedans. Si je vous montre, ce sera mieux comme ça. Vous voyez, vous avez des dessins dedans. Des animaux, c'est la réponse. Je trouve ça pas mal. J'aime bien entre deux gros romans parfois me faire un petit jeunesse. Et ici, il est marqué Hello. Moi, c'est Mylène Flanéral, professeur de passionné de Cléo. Alice, Cléopâtre, dernière reine de l'Égypte. Tu imagines comme une pharmacie Gilly, fan de bain. De lait d'amandes, détrône-toi. Dès que tu connais ta vie, tu seras comme moi, dingue cette star. L'histoire mondiale du a génial style est tellement puissant. Je vais tout raconter sur Kilo. Ce sera fun, intrigant et 100% bio. Voilà. Pour les deux que je voulais absolument. Puis je me suis pris une petite nouveauté de chez Hugo. Nos en perlets de chez. Je vous en ai parlé dans le vlog en plus. Je crois que c'était hier. Il est sorti hier, je pense. Et voilà. Ma petite pépite de El Sevano chez Hugo dans la collection Nous Romans. Je ne vous ai pas parlé du truc. Je l'ai payé 17 euros. Voilà, je vais essayer de retirer. C'est un petit nouveau, un tout frais nouveau. Voilà, si je vous lis la quatrième de couverture, ça vous dit toute option. Soane et Cassandra lui n'a qu'à objectif en tête devenir footballeur professionnel. Elle a à ce point horreur de lui a dit de dé j'ai un truc qui me gratte. Je vous le dis. Lui a différence à l'école. Elle est surtout, je lui ai musculairement. Elle déchirait pourtant dès que le premier rencontre, il savait qu'il serait ami pour toujours. Lorsque Sohan touche son rêve du doigt, la meilleure amie et son premier soutien, il se le permettent. Rien ne pourrait jamais les séparer, mais et même la distance.
et les sentiments, car ils sont inséparables. Ils sont également amoureux sans le dire. Cassandra le sait, plus Soane s'élève vers les étoiles. Mais va-t-il la changer de leur rêve, soit incompatible pour elle? Ils sont forcément deux en ligne par elle. Malgré leurs complices, jamais ils ne pourront se rejoindre. Mais alors Soane revient brisée par leur ville natale. Cette réalité pourrait être chamboulée. Il l'a juré pour elle. Il décrochait les étoiles. Voilà, celui-ci vient de la Fnac. Ouais, il est trop beau, j'aime bien la couverture. Et un que je me suis pris, mais ça fait longtemps qu'il est sorti, mais voilà, tout le monde en parle et du coup il me tente beaucoup beaucoup beaucoup. Voilà, j'ai pris le tome 1 pour commencer. C'est Dark Element, Baiser brûlé, de Jennifer Allen Montrout, l'auteur de 4 millions de lecteurs dans le monde. J'ai acheté un autre roman à elle qui sort la fin du mois. Okay, je ne sais plus. Et du coup, je me dis, je vais commencer peut-être à lire celui-là. Je ne sais pas. Ou l'autre. Je ne sais pas. On verra. Ici, en 3, c'est 3 ou 4 tomes. Du coup, voilà. Je me suis dit, pourquoi pas. Du coup, voilà pour les pépites que je vous ai montrées. Et là, j'ai eu un petit Happy Birthday to you. Bon, c'est pas encore maintenant, mais ça approche quand même. Voilà. C'est bien, c'est vrai que ça s'approche. Et mardi, je vous prendrai mardi. Est-ce que je vous prends mardi? Mardi, normalement, je ne suis pas là. Mais peut-être que je vous ferai des clips de ma journée. Je vais au resto. Je vais un peu chez le psy au matin. Après, je vais au resto. Puis je reviens. Je vais faire manger à mon monsieur. Ah non, je mange même pas. Ah si, je dois faire à manger à monsieur. Et puis je retourne chez ma mamie. On fait un petit gâteau quand même. Voilà. Et du coup, voilà, voilà. Je suis trop contente. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais conclure ce vlog. Le monter si j'ai le temps. J'attends monsieur parce que j'ai soif. Enfin, je bois de l'eau pour le moment, mais j'ai envie de coca. Je vais monter le vlog que je vais terminer là maintenant pour vous le poster pour essayer que au soir même il sera posté pour vous demain matin à 10h. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et ça fait plaisir. La petite cloche pour avoir un petit rappel au moment que je sors nos vidéos. Pour le moment, il en sort 3 par jour, par semaine, lundi, mercredi et vendredi et samedi, 4 le vlog. Mais je pense que je vais arrêter de faire 4 vidéos. Je pense que le vlog, vous allez l'avoir une semaine en retard parce que je m'en sors pas à faire comme ça. Du coup, voilà, j'ai peut-être que vous aurez le vlog la semaine prochaine. Je ne sais pas, je vais voir mon courage à demain. Voilà, parce que le 16 samedi, je ne suis pas là non plus. Une grosse partie de la journée, je ne serai pas là. Du coup, voilà, je serai avec des amis et ma famille. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans un prochain vlog ou une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.